Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer des virus sur votre ordinateur sans antivirus. Installez-vous donc confortablement et regardez la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des méthodes pour supprimer des virus sur votre ordinateur sans antivirus. Tout d'abord, vous devez cliquer sur le bouton démarrer. Dans cette barre de recherche, veuillez saisir CMD. Veuillez poser votre pointeur sur CMD.exe, puis cliquez sur le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Exécuter en tant qu'administrateur ». Une fois sur l'invite de commande, veuillez saisir la commande CD, anti-slash, puis valider. Je suis sur les disques C. Autrement dit, tous les virus qui s'y trouvent seront supprimés. Et si je veux changer de disque, je vais taper la lettre D suivie de deux points. Puis je vais valider. Je me trouve désormais sur les disques D. Je vais vous montrer. C'est-à-dire, je me trouve ici, sur les disques locales D. Je vais revenir au disque C. Je vais saisir C suivi de deux points. Puis je vais valider. Je vais saisir la commande attrib espace tradigno lettre H espace tradigno lettre R espace tradigno lettre S. Il faut mettre espace lettre S. Je vais encore espacer. Je vais saisir autorine point INF. Pourquoi je mets autorine.inf? C'est parce que les virus portent l'extension autorine.inf. J'espère que vous connaissez des extensions. Je vais vous citer un exemple. Rekiva.jpg. JPG est une extension. L'extension définit ou détermine la nature d'un fichier. Si vous voyez JPG, c'est-à-dire ce fichier est une image. Si vous voyez par exemple PDF, c'est-à-dire que ce fichier est un document. Si vous voyez par exemple XLSX, c'est-à-dire que ce fichier est un fichier qui vient d'Excel. Il y a également d'autres extensions telles que MP3, MP4. MP3, c'est une musique, n'est-ce pas? MP4, c'est un fichier vidéo. Je vais revenir au MS-DOS. Je vais valider. Ici, on écrit format incorrect du paramètre. C'est-à-dire, il y a quelque part où j'ai mal saisi. Je vais encore vérifier. Voilà, c'est ici. S. Voilà. Oui. Oui, je vais valider.
Voilà, aussi on écrit fichier introuvable, authorin.inf. Ça signifie quoi? Ça signifie que les fichiers dont l'extension est authorin ou inf sont introuvables. Et si vous trouvez par exemple des virus, vous ferez mieux de saisir une autre commande, cdl espace authorin.inf. Del signifie delete. Delete signifie en français effacer ou supprimer. Cette commande vous permettra de supprimer des virus sur votre ordinateur. Je vais passer à la deuxième méthode. Elle consiste à cliquer d'abord sur le bouton démarrer. Saisissez ensuite MRT. Cliquez sur MRT. Cliquez sur Suivant. Cochez l'analyse rapide. Puis, cliquez sur Suivant. Cliquez enfin sur Terminer. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Si elle vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.